La fin de session, hein? Ce temps de l'année qu'on passe en majorité au café étudiant, à la bibliothèque, ou au zoo, à faire des grimaces aux singes. La fin de session. Ce temps de l'année où on prépare les examens en sirotant un bon petit café. Mais il y a quelque chose de vraiment enivrant avec cette période de rush. Moi, mon truc, c'est d'avoir un agenda vide. C'est simple, hein? Tout ce que tu as à faire, c'est d'effacer les mots emploi, loisir et surtout party et de les remplacer par les mots examen, études et café. C'est vraiment facile à faire. Puis, c'est surtout très amusant si tu le fais en dansant. Musique! À la case du dernier examen, je te suggère fortement d'y inscrire juste en bas le mot « party ». Puis, juxtapose-y donc un petit point d'exclamation. Ah, puis gâte-toi. Mais y en 3 points d'exclamation! Party! Une victoire de plus. Pour t'aider à passer à travers la fin de session, rien de mieux qu'une bonne carotte. Oui, puis ça tombe bien, j'en ai justement une dans les poches. Bon, je m'explique. Pour faire courir rapidement un cheval, tu peux évidemment lui donner des coupées dans les côtes en criant « Ya! Ya! Go, Johnny! Go! Ya! » Bon, tout compris. Mais tu peux aussi suspendre une carotte au bout d'un fil devant ses yeux. Ouais, la carotte, c'est la source de motivation du cheval, sa récompense. Donc, pour te motiver à étudier, ben, il te reste juste à trouver ta carotte et le tour est joué. Bon, c'est sûr qu'il reste toujours les coups de pied dans les côtes, là, mais je te le déconseille fortement. Pendant les examens, les erreurs les plus fréquentes des étudiants sont les fautes d'orthographe. Mais je suis pas bien placé pour t'en parler, hein. Non, je veux juste te dire un conseil. Fais attention à la surmotivation. Ah! Tu vois, ça existe même pas, ce mot-là. La surmotivation. C'est pour ça que je suis pas très bien placé pour te parler de fautes d'orthographe. Mise en situation. C'est la fin de session. Et tu te dis que tu veux tellement réussir que le sommeil va prendre le bord pour que tu puisses avoir plus de temps pour étudier. Et j'aimerais vraiment te féliciter pour ta motivation un petit peu trop intense, mais il faut quand même pas mal dépenser son énergie non plus, hein? Tu sais, comme un chauffeur pris dans un embouteillage qui klaxonne en déchaîné. Hey! Je peux pas avancer, moi non plus! Oups. Excusez-moi, je l'avais sur le cœur, celle-là. Bon, revenons donc à ceux qu'il faut compter là, pour s'endormir. C'est ça. Revenons à nos moutons, hein? Pas de sommeil égale pas de concentration. Pas de concentration égale des mauvaises notes. Puis des mauvaises notes égales... Ça veut pas vraiment dire grand-chose, hein? C'est plus comme un dialecte de tribu centrafricaine, mais... Ben, tu vois? Pas de sommeil égale des phrases qui font pas de sens. Ça se peut que même en étant préparé à fond et en ayant libéré ton horaire, t'aies de la difficulté à gérer le stress de la fin de session. Si ça t'arrive, hésite surtout pas à demander de l'aide auprès de ton API, de tes professeurs ou même au service de la vie étudiante. Mais accroche surtout pas des étrangers dans l'autobus pour leur raconter tes problèmes, hein?
Souviens-toi qu'une excellente façon de réduire le stress, c'est de ne pas prendre de retard dans ces travaux. Profite bien de ta fin de session, parce que, comme la migration des reines de Batgoul, ça arrive juste deux fois par année.